bonsoir à tout abonné avec membre chaîne. Bien content de retourner à la caille aujourd'hui pour porter pour nous une petite recette. Bon, son bagage tout le monde rêve. Tout le monde rêve fromage la vache. Et bien, aujourd'hui, je vais montrer comment pour faire un fromage à tartiner du genre la vache qui rit, la carou bien facile et puis bien rapidement. Et là, on apprend des méthodes ça. Donc, on ne doit pas aller acheter fromage encore. Donc, on vient fromage ou la caillou pour faire tartine pour un petit mounio, mettre dans la boîte, etc. Ok? Et puis, pour que mounio mange tout. Tout le monde remet fromage à tartiner. Ça vient. Bon, mettez une méthode facile, rapide, avec des ingrédients très accessibles pour nous réaliser. Ok? Avant, nous allons présenter nous. Ça a besoin pour nous réaliser la recette. Ça, n'a pas salué, n'a pas remercié tout le monde qui membre chaîne ça. N'a pas salué spécialement Jésus Pierre lui qui récemment t'est lampé par là. N'a pas salué madame Jocelyne Vieux, il même il fait utiliser PayPal, il utilisait One Western Union et puis l'autre membre qui supporte chaîne là par mon cash tout. OK, tout on a regardé là c'est des membres chaîne là. Alors si vous même moi envie vin membre chaîne là, vous cliquez sur bouton join qui en bas vidéo ça. Ou bien, sous n'importe en bas, n'importe notre vidéo qui est sur la chaîne, il faut choisir un plan de support. Nous avons diamant, nous avons saphir, nous avons gold, nous avons argent, nous avons super fan. Choisir un plan ça et puis, on va supporter la chaîne. Et puis, tout ça nous demande d'upgrade parce que la chaîne peut renforcer. Ok? Alors, s'ouvrez tout, on va toujours venir membre chaîne. Même avec Jean Judy Pierre Lufiel, même Jean Evelyne Sius Fella, qui a fait le par PayPal. Non, gaspardorilien@gmail.com, qui a pris le support là, par PayPal. Ou bien si c'est un Haïti, qui a fait par mon cash, dans 3672-2558. Regardez rapidement tout ça, la besoin pour nous réaliser fromage blanc à tartiner ça. Ensemble matériel avec ingrédients a besoin pour nous faire fromage à tartiner. L'être c'est premier bagaille n'a besoin recette ça c'est avec 1 litre l'être pour le fait. OK, ça veut dire 1000 millilitres 1 litre l'être n'a besoin à part ça 70 millilitres l'être tout. OK, alors c'est l'être évaporé ou café avec l'être canation l'être vendu en boîte etc. N'a besoin vinaigre n'a utilisé pour quantité lait nous gain là 4 cuillères à soupe de vinaigre, vinaigre blanc. N'a besoin équivalent 2 cuillères à soupe de beurre, n'a besoin yon 2 petites cuillères sel et puis ça c'est cuillère à soupe là, nous va mesurer à. N'a besoin yon blender ou bien yon food processor, n'a besoin yon spatule, yon passoire. C'est ensemble matériel ça yo avec ingrédients ça yo nous va l'utiliser pour nous faire fromage à tartiner du genre la vache qui rit. OK, là on a passé à exécution recette là. OK, et eh ben on a commencé par mettre litre lait noir dans un bon pot. OK. Bagay n'a fait là, n'a juste couvrir et puis quitter le bouilli. OK? Et puis après l'elle fin bouilli, n'a commencer opération fait fromage là. OK? Donc retour dans quelques minutes après l'elle commencer bouillir. OK, nous commencer par mettre l'elle noir sous du feu. OK? Et là là nous va quitter le bouilli mais à feu moyen. OK? Faut pas bouler pour en bas pour l'être à bal couler en bas etc. Donc à feu moyen
n'a pas quitté l'être là bouilli là et puis l'elle l'elle fin bouilli là l'elle commence à bouillir nous pourrons passer dans l'autre étape. Ok, ok, l'être nous en bouilli qu'on y a là. Ok, ça n'a pas fait, c'est juste éteindre du feu là, hein? Un balle. Ok, maintenant nous pourrons utiliser vinaigre de dégain. Je viens de dire qu'on a besoin de 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Donc, mettez 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc. 1, 2, 3, 4. Ok? Maintenant, nous prenons boire ces lettres noires, ok, jusqu'à ce que nous ayons changé de texture. Nous prenons acide là, acide à base de mélanger, ça le fait. Fait mauvaise réaction. Eh bien, lettre là, c'est en base, vinaigre là, c'est en acide. Donc voilà, quelque part, lui fait lettre là tourner, ok. Eh bien, justement, c'est ça le besoin. Ouais, j'en ai regardé là qu'on y a. Ouais, l'être là commencer à tourner. Et bien, on a boissé jusqu'à ce que il change de texture complètement. Ok? Ok. Et bien, nous allons faire l'autre bagage qu'on y a là. Ok? Là, nous pourrons recouvrir, ouais, comment y est? Nous allons recouvrir là pour minimum 3 à 5 minutes. Ok? Et puis on a quitté le poser là pour 3 à 5 minutes. Et puis nous allons continuer le processus. Faire fromage blanc. Rendez-vous dans 3 ou 4 minutes, ou 5 peut-être. Nous avons monté deux pièces posées à passer. Ok. Je n'ai constaté là. Alors, justement, l'eau ça qui est séparée avec l'être là. Ok. Il y a le petit lait. Ok. Comme ça, il y a le. Donc, la poule est pas soi. Ok. On va essayer de faire ça rendre le plus de liquide possible. Oui, litre nous dégaine. Hein? 1000 millilitres là, mais ça le bail. Ok, on a fait un café. Nous pouvons passer à un petit fin. Nous allons essayer de récupérer encore un petit fromage quelque part. Nous pouvons refouler dans un passoir qui est fin. On va voir quelle quantité nous réussissons à récupérer là. Là, je suis équipé puisqu'on y est. Ouais. Justement, on va utiliser l'astuce ça. Utiliser un passoir qui est très fin. Ou bien on va utiliser un cheesecloth. Tout. Ok. Et
Mais nous pouvons utiliser pour nous faire crémasse, pour nous couler crémasse là. Ok. Voilà. Ça nous réussit. Et tout est là. On suit plus que une cuillère. Alors, l'eau ça, ou bien liquide sacré qui a eu le petit lait, donc à utiliser pour faire d'autres recettes. Ok, donc obligé de jeter. Bon, alors, on va parler de qui recette donc à faire avec, mais il y a plusieurs recettes, soit dans la pâtisserie ou dans la cuisine même. Pour... Terre silence. Pour qu'à réaliser avec le petit lait. Ok. Maintenant, processus drainage là, en fait, il y a plus un cas. On va récupérer toujours. Nous recouler encore. Voilà, me recouler. Là, me joindre un petit qui est équivalent à un petit qui est. Voilà. Tout ce que j'ai pu récupérer hein. Juste parce que me drainer ou bien me couler non parfois qui puis fait et me couler deux fois et on va peser encore l'ensemble pour retirer tout le bloc là tout le liquide qui est arrivé là dedans. Ok, là on sur bien coulé. Mais nous allons passer dans l'autre phase là, à savoir faire mélanger ça tout bien là, transformer en fromage tout bon. Ok, ça on a fait. On a fait le processus noir. On a pas ajouté mélange ça, enfin résultat lettre là qui était mélangé avec vinaigre là, mettez-le dans food processeur ou bien blender. Ok, terminé. On y a là, on va ajouter, parce que c'est le nous dégain. Hein? On va ajouter beurre. Ok, nous dégain environ l'équivalent de 2 cuillères à soupe de beurre. On va ajouter 70 ml de lait nous avons gagné. On va le mélanger pour le processeur noir jusqu'à ce que ce qu'on a dans le fond du food processeur soit homogène. On va vérifier comment la texture là est. Voilà. On va ajouter un petit sel encore, tout petit. Et on recommence à mélanger.
La première Cindy, fromage noir, guetant paré. Alors, si nous t'avons, nous gagnons en place beurre là, nous mettons en l'huile, nous qu'à mettre n'importe quelle huile là-dedans. Enfin, même dit n'importe quelle huile végétale, tant qu'on l'huile d'olive, on lit en l'huile qui neutre. Ok, mais plutôt beurre là. Voilà. Ok, nous allons passer à la présentation. C'est aussi simple que ça. Après une fine essayer recette ça, nous pas acheter fromage à tartiner encore du genre la vache qui rit et tous les autres fromages de ce genre. Parce que on goûte déjà fromage moins OM satisfait. Bon, certainement, pas exactement goût et la vache qui rit parce qu'il y a ajouté l'autre qui est malade. Vous comprenez? Il y a ajouté l'autre bagage à la donne pour faire le bigou, mais dans le bagage à tout, il va dire va chimer. Même, il va ajouter un rien de chimique là, sinon que vinaigre là, qui. Naturel, ok. Donc voilà, je vais aller les goûter ça pour le vin bail verdicli, bien que moi bien que j'ai écrasé et faut mettre ça déjà avec bon sel. Mais là, il va le banon verdicli devant la caméra, me dit et comment le trouver fromage là. Bon, bon appétit. Ah, voilà. Hello tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver. Je pense que c'est la première fois que je mange fromage à la maison. Non? Oui? Oui, oui. Première oui. fois, beaucoup de gens me font expérience. Hein? C'est très intéressant. Bien sûr, il n'y a pas tout à fait même avec ça, nous jeunes dans l'industrie. Mais c'est très bon. Et au moins, on connaît qu'ils soient mangés, hein, comme qu'ils soient avec la dedans. Texture là. Ok. Sauf que, il y a un petit peu de molasse, par contre, il a bien dit aussi, ouais, donc, si l'on met dans le frigidaire, il a bien, non, c'est genre, oui, il a bien fait ferme, certainement. Sinon, c'est très bon et vous avez tout intérêt à essayer et aussi à l'adopter. Donc, okay. Bravo au chef. Merci beaucoup, merci. Donc, eh bien, essayez et puis, maintenant, feedback nous en bas vidéo pour nous dire comment nous t'es trouvé fromage ça, fromage à tartiner. Que nous mettons dans le pain pour manger tout comme ça, ou bien nous mettons des sandwichs, etc. Ok? Je vais vous donner un feedback. Non? À bientôt pour l'autre recette. L'autre recette que je vais faire, c'est bien facile encore pour utiliser comme entrée, enfin, pas comme entrée, mais pour accompagner l'entrée, ou bien pour manger avant de commencer à prendre l'autre plat, ou avant de commencer à prendre la salade. Ok? À bientôt!